C'est la première fois que j'ai eu un séisme. Vraiment, c'est la première fois de ma vie et c'est vraiment particulier quand même. Mais au moins, je peux dire que j'ai vécu un séisme. 大家好，欢迎来到温姐姐的频道，我是温蒂。相信之前大家已经看过我介绍高中体制的那支影片，甚至是讲到在法国实习的这件事，等等等，都是用我们外国人所谓台湾人、外国人的角度来看法国。那今天呢，就来一点不大一样的喽。我们今天呢，邀请到了两位原汁原味的在地的法国人，来讲关于法国留学学习这件事情。自己国家的人讲自己国家的学习这件事情，或许又会得到一些。 不同的观点哦，让我们一起来欢迎Julien跟Jonathan。大家好，大家好。我们就来讲讲关于18岁之后，也就是从大学开始之后的这些体制啊，等等等。那我们就赶快开始喽。Bon, maintenant, on sait que en France on a université, école d'école, et Julien, tu étais à l'université, c'est ça ? Oui, alors j'ai fait une licence d'abord en 3 ans à l'université, à l'INALCO à Paris. C'est l'Institut National des Langues et des Civilisations Orientales. Donc ce qui est intéressant à l'université, en fait, c'est qu'on peut apprendre à avoir un socle théorique et méthodologique. On va avoir plein de choses, une connaissance sur sa spécialité. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on sait déjà que tu étudies le chinois, pourquoi tu as choisi ce sujet ? Alors en fait, quand j'étais au lycée, j'étudiais le théâtre et mon professeur de théâtre en fait était venu étudier à Taïwan, il était venu étudier le Putaxi. Et il parle chinois et quand il est revenu en France, il enseignait le théâtre, il nous a enseigné, j'ai trouvé ça trop génial, j'ai eu envie d'étudier le chinois pour avoir une porte ouverte vers l'Asie, voir comprendre ses cultures. D'accord. Et Jonathan, tu étais dans une grande école. Comment ça fonctionne la grande école? On a 2 ans de classe préparatoire. Moi j'ai fait pendant ces 2 années beaucoup de sciences, maths, physique, sciences et ingénieurs. À l'issue de ces 2 ans, on a des concours pour plusieurs grandes écoles. Bah, après on est admis ou pas dans les grandes écoles et là commence un parcours de 3 ou 4 ans en fonction des filières et des types d'école. Dans le temps, je dirais que c'est à l'université et grande école. Mais je sais que pour les Français, pas tout le monde entre dans l'université. Il y a beaucoup de choix comme entrer dans un conservatoire. Quel est votre avis? Je pense que ça dépend en fait. Après le lycée, si on sait directement ce qu'on veut faire, dans ce cas-là, on va plutôt s'orienter vers un conservatoire, je sais pas, une école de cuisine, des choses comme ça. Si on sait pas trop, je pense que l'université, ça permet d'explorer un peu plus de possibilités. Et là, maintenant, on va parler de la vie à Paris et en province. Alors en fait, moi, je viens de base de la province et je suis allé à Paris étudier. Donc je viens d'un petit village de 500 habitants et je suis allé directement après le lycée à Paris et j'ai découvert ce qu'était la vie parisienne. Pour moi, c'était vraiment un choix d'aller à Paris parce que c'était là où je pouvais avoir le plus d'opportunités. Beaucoup plus de rapport avec ce que j'ai de ma formation parce que j'étudie le chinois et la communication. Et donc c'est là aussi où je peux trouver une ville avec beaucoup d'étudiants étrangers et pouvoir beaucoup dialoguer sur ça. Qu'est-ce que les avantages en province? En fait, j'ai fait le chemin inverse. Moi, j'ai grandi vers Paris et après, je suis allé en province. Bon, on retrouve toute cette diversité culturelle qui est associée à Paris, etc. Enfin, la province, il y a moins de monde, c'est plus beau, c'est moins cher, il y a moins de stress. On gagne énormément en qualité de vie. Donc, Paris, c'est bien, mais on voit aussi les autres villes. Est-ce que vous trouvez pas pratique de vivre en province? C'est moins pratique que Taïwan. Mais non, ça va, on arrive toujours à trouver ce qu'on veut. Il y a pas de problème. C'est vrai que dans les autres villes, on va trouver des cultures un peu plus locales. On sait bien que dans l'université ou à fond d'école, c'est obligatoire d'aller en stage. Alors en fait, à l'université, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir. On peut soit se diriger plutôt vers la recherche, mais aussi, on peut aussi choisir de faire un stage si on veut après son diplôme, s'orienter dans la vie professionnelle directement. En fait, c'est obligatoire en école d'ingénieur. Minimum entre 7 et 8 mois à faire en stage et minimum 6 mois à l'étranger. Moi, c'était mon cas à Centrale. On va apprendre des nouvelles choses, à communiquer avec les gens, à faire travailler les gens ensemble, etc. Et c'est pour ça que les stages, c'est hyper important. Notamment, moi j'avais 6 mois minimum à faire à l'étranger. Et là, on va parler du club. Il n'y a pas de connexion entre science et théâtre. J'ai pratiqué le théâtre parce que je voulais un peu me mettre des défis, quoi. C'est à quel moment que vous pensez à vraiment
pratiquer ça. Vraiment concrètement, c'est quand j'ai commencé à travailler que je me suis dit, bah voilà, il faut quelque chose pour que mes messages soient clairs, que je comprenne les gens aussi. Ça permet de rencontrer des gens, ce genre d'association. Et en plus, on monte un projet ensemble, on a un projet du début à la fin, comment le réfléchir de la base et comment arriver à la fin. Et ensuite, on a des résultats, donc c'est cool, et les associations, c'est bien pour ça. 从这一点可以看出来，就是法国人呢，他们对自己的了解，就是对自己所热爱的东西会去追求，而不是只有就是放置也在眼前的这个学科上面而已。 Et pour les étudiants en France, on sait qu'on a plein d'avantages. D'abord, on va parler de CAF. Bah, la CAF, ça sert énormément quand on est étudiant. Combien ça dépend de notre situation. Par exemple, quand j'étais à Paris, j'avais mon logement était à 500 euros à peu près. Et j'avais jusqu'à 210 euros. Et ça, c'est facile à appliquer. Oui, il y a juste une demande à faire, il y a un papier à remplir. Vous avez avancé longtemps? Non, je me souviens pas particulièrement longtemps, non. Une fois que les démarches elles sont lancées, en général, ils sont assez réactifs. Ah ouais. Oui, surtout quand j'étais à Saint-Mort. Moi, je me rappelle le mois d'après. Un mois ou deux mois maximum, moi, c'était réglé, ouais. D'accord. Désolé. Aussi pour le SNCF. Je rentrais souvent chez mes parents en TGV parce que j'habite dans le sud-ouest de la France. Mais j'avais quand même des prix étudiants avec une carte 18-27 ans. Oui, donc, la carte jeune. Oui, avec la carte jeune, donc j'avais des prix vraiment avantageux pour rentrer chez moi. 好，刚刚以上这些呢，都是法国留学的各种资讯。确实蛮多小问来问我关于就是去留学法国的这些问题，其实很多人都自己上网查询啊，或者是到Facebook问别人的经验啊，这些都是方法之一。但是如果你想要得到更客观的答案的话呢，真的不要错过 Campus Front 这个资源，去跟他们询问，他们都会尽所能的回答你们哟。第二个部分，我们来到了快问快答时间，拜拜。喂喂。后面 le coût de la vie en France est cher？ 1, 2, 3。 Non? Oui, non. Ça dépend. Si c'est à Paris. Ouais, ça dépend. Paris, c'est cher, mais... Ça dépend de nos habitudes aussi de consommation. Les Français se lavent pas? C'est faux. C'est faux. Les joueurs. Les Français sont romantiques? 1, 2, 3. Ça dépend. Il y en a beaucoup qui sont romantiques, mais il y a de tout. Je dois apprendre le français pour pouvoir être fille en France? Non. Non. Ben, y a plein de formations qui sont... en France. Vous n'avez jamais séché les cours? Qu'est-ce qu'un étudiant étranger peut faire pour faire des amis français en France? C'est une question que tout le monde veut savoir. Bah, participer à des associations, clubs sportifs, des choses comme ça, c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens et de créer des liens. Discuter, ne pas avoir peur de discuter avec ses camarades, après demander peut-être « Ah, j'ai pas compris ça, est-ce que tu peux m'aider ?» Mais en fait, peut-être que j'aurais compris, mais tu demandes « Ah non, j'ai pas compris » ou alors dire « Ah, je sais pas où c'est cette salle, est-ce que tu peux m'aider ?» Il faut mentir un petit peu, dire « J'ai pas l'impression de savoir où c'est, enfin je sais où c'est, mais je vais dire « Ah non, désolé. » Je pense que c'est une façon de rencontrer les gens. Créer un premier lien et en général, après, les amitiés se font. Ma meilleure vie étudiante en France. Alors d'abord c'est Jonathan, Paris, et puis juste Nantes. Nantes. Nantes, Grenoble. Nantes. Nantes, Bordeaux. Bordeaux. Pourquoi? Pourquoi Bordeaux? Plus de soleil. Ah ok. Bordeaux, Nice. Bordeaux. Paris, Toulouse. Paris. Paris, Lyon. Paris. Paris, Strasbourg. Paris. Allez, mon gars. Paris, Marseille. Paris. Non, je suis pas allé dans ces villes en fait. Donnez-moi une raison pour étudier en France. Il y a plein de raisons. Ok, plein de raisons. La nourriture. Ouais. La nourriture. Fromage, vin. Le pays est très beau. Il faut pas hésiter à bouger dans le pays. France, pays de l'Europe, c'est un peu tout dans le même endroit. Et du coup, on peut voyager beaucoup. Donne-moi trois mots pour t'expliquer. Trois mots. Trois mots. Oui. Beau. Nourriture. Aussi. Chaleureux. Oh, oui, c'est ce que je pense. Ouais, chaleureux, pratique. Pratique. Et magnifique. Si vous devez choisir un, ça va être bon ça. Passe. Et vous n'aimez pas du tout ça. Sticky tofu, ça sent plus que c'est que le goût. Ouais, le goût, ça va. C'est quoi, c'est le sang de porc? Ça c'est trop dur. C'est parce que vous savez c'est sang de porc. Ouais. Mais si vous le savez pas. Non ouais. Moi, on mange du saucisson. Ouais. Il y a du boudin aussi. Hein. Ouais,
Ok, Stick et donc. Avez-vous une expérience impressionnante à Taïwan? Moi, j'ai été coincé dans le MRT. En fait, j'étais à une station. Je suis rentré à la dernière minute. En fait, je me suis rendu compte qu'il était vide et le train, il allait se garer quelque part. Là, le conducteur est venu, il m'a montré une petite carte qui disait: vous inquiétez pas, le train va revenir en station dans quelques minutes. J'étais tout seul dans un train. C'est la première fois que j'ai eu un séisme, en fait. La dernière fois, il n'y a pas très longtemps, c'est quand à Hualien, il y a eu un séisme assez fort. Vraiment, c'est la première fois de ma vie et c'est vraiment particulier comme expérience. Mais au moins, je peux dire, j'ai vécu un séisme. Est-ce que vous avez quelque chose dans la tête à ce moment-là? Oh, bah là, j'ai rien. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Il faut sortir, il faut se cacher. 以上的分享呢，就全部都是关于去留学法国这件事情。在法国呢，真的就是强调自主学习，千万要可以motivé，然后不要都是一个被动的方式去学习，不然会loss掉很多很多机会哦。好，那就影片就到这里了。喜欢这支影片的话，记得按赞、分享、订阅我的频道，也不要忘记开启小铃铛，这样就不会错过每次影片喽。那我们就很快下期再见喽，拜拜。